Chani, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super, ça va même extrêmement bien, puisqu'aujourd'hui, on est là pour fêter mes 150 premiers abonnés. Je ne vous remercierai jamais assez, les amis, parce que sans vous, je ne serais jamais été aussi loin. Je suis déjà à 150 abonnés, ce qui est vraiment énorme. Je suis super contente. Merci infiniment pour tous vos abonnements. Aujourd'hui, justement, nous allons fêter mes 150 premiers abonnés. Donc, pour fêter ça, je vous ai fait un petit court-métrage, donc en espagnol. Donc, j'espère que ça vous plaira quand même, parce que ça m'a pris énormément de temps. Mais ne vous inquiétez pas, c'est certes en espagnol, mais j'ai mis les petits sous-titrages juste en dessous en français. Donc, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'espagnol, vous pourrez lire le français qui est juste en dessous. Donc, voilà, les amis. Juste avant de commencer la vidéo, les amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner en cliquant juste sur le petit carré qui s'affiche en bas à droite de votre écran, les amis. Ça vous prend 2 secondes et je ne vous remercierai jamais assez pour ceux qui le feront. N'hésitez vraiment pas aussi à liker, ça me fera énormément plaisir. Du coup, maintenant, c'est parti pour la vidéo. Bon visionnage. Hola y bienvenido en Todo Bien. Hoy vamos a Barcelona para preguntar a dos alumnos si ellos son contra o a favor de la corrida. Hoy estamos con dos alumnos del colegio Astre. Ella se llama Cindy y él se llama Meliodas. Hola Cindy, ¿te gusta o no la corrida? No me gusta la corrida. ¿Por qué? Primero, el toro muere y sufre mucho. 2 hours later. En segundo, hay mucho sangre y es un espectáculo sádico. Y al final, es un rito bárbaro, porque es un sacrificio del toro. Es humillante de matar un pobre toro que él no sabe nada. El torero gana porque el toro tiene miedo e ignora la raza humana. El toro quiere la tranquilidad, ¡tranquilidad! Muchas gracias, es muy conmovedor. Voy a pasar con Meliodas. Hola Meliodas, ¿te gusta o no la corrida? Sí, me gusta mucho la corrida. ¿Por qué? Porque en mi familia la corrida es costumbre, es tradicional. Le gusta todo lo que es peligroso. Es un espectáculo de diversión. Y al final, si la corrida no existe, la raza de este toro no existiría. ¡Viva la corrida! ¡Viva la corrida! Muchas gracias, Cindy y Meliodas. Hoy hemos escuchado dos propuestas diferentes sobre el tema la corrida. Muchas gracias, espectadores, por ver nuestro programa. Adiós. C'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère franchement qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à commenter un maximum la vidéo, à la partager un maximum et à bombarder cette barre de pouces bleus ainsi qu'à vous abonner à la chaîne pour ceux que ce n'est pas encore fait. Et puis bah voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Allez, salut. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude. Nous serons de l'un de nous.